Hop là, début de l'épisode 3. C'est juste derrière. On a coupé l'épisode 2 et 3. Pam. Pif paf pouf. Ne t'arrête pas. Parce que c'est comme un film ici. On passe d'un épisode à l'autre, comme ça. Vous pouvez suivre le let's play en intégralité sur la chaîne MMBTV. Et tout ça pour la modique somme de 0€. Voilà. Et ça, c'est un abonnement à ne pas louper. Et pour tout cela, eh bien, vous pouvez vous abonner sur MMBTV. Cela ne vous coûtera qu'un clic. Vous êtes abonné. C'est tout. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est le bien. Hop là. Attends. Deux secondes. Deux secondes, Bernard. Je suis mort alors que ma femme m'avait quitté juste avant. Regarde ça. Ah, c'est pas ça qu'il disait, mais il aurait pu. Voilà. Je me suis laissé mourir. Il a le symbole des lucioles sur le bras. Ma femme était ma luciole. Et ma tête est partie, je suis dans le noir. Voilà. Je le sais, c'est tout. On y est presque. Ah. Ah bah on débute l'épisode 3 avec une bonne grosse séquence d'ailleurs. Ouais, je dois refaire le... Attends, je crois que je peux faire L3 et L3, non? Ah non, je l'ai pas activé. Je l'ai pas activé dans les... Ah bah très bien, ça me garde mon truc. Bah voilà, regarde. C'est tout ce que je demandais, que ça me garde mon truc. Excellent. Oh là là, c'est beau ce qu'on a fait quand même, regarde ça. Boum! Épisode 2. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est qu'est-ce qu'on aime, comme dirait l'autre. Personne dirait ça, mais peu importe. Oh, regarde ça. Je sais pas nager. Bon, ça a l'air moins profond sur la droite. Suis-moi. Mais regarde ça, regarde. Je suis contente que Marlène vous a embauché. Comment ça? Je sais qu'elle vous pète pour ça. Regarde ça. Ouais, pas de problème. Ce jeu. Et t'as vu le pantalon mouillé ou pas? Regarde le pantalon mouillé. Avec les traces d'eau dessus, regarde. Regarde ça. Regarde. On va se baisser. Hop. Et ça mouille également une partie de la chemise, messieurs dames. Et ça c'est... Regarde. Il y a juste le haut de la manche qui est mouillé. Ça, c'est du remake. Ça, en 2013, tu le faisais pas, ça. Ça, en 2013, tu le fais pas. Regarde. Du coup, il y a toute la chemise qui est mouillée, maintenant. Parce que, du coup, il s'est penché en avant. Voilà. Ça, c'est du remake. On est d'accord. Avec un nouveau moteur. Voilà. Ça paraît peut-être con. Mais voilà, voir Tess avec un pantalon moulant et mouillé, c'est du remake. Pardon, excusez-moi, je suis laissé emporter. Excusez-moi. Oh. Non. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh merde, peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme ça? Aussi loin qu'il le faudra. Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance! C'est terminé, Tess! On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que... Non! Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Non, mais même le visage d'Ellie, s'il te plaît, enfin, c'est fou. Joël. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Oh, merde. C'est con, hein?
Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. 2 secondes. Elle a dit que les gens se transformaient en deux heures. Et ça fait plus d'une heure qu'elle s'est fait mordre. Elle se fout de ma gueule. Il traînait avec ces types. Ils sont oui, je voulais le redire encore. Non, ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois. Écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Je suis sûr que tu regardes mon let's play, je dis la même chose à chaque fois. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi ? Alors, tu veux qu'on te laisse ici ? Oui. Tess, il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Ça devait être un claqueur en ADSL, hein. Ça va moins vite. Je peux me battre. Vas-y, pars ! C'est sûr. Allez, fous le camp. Allez. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. J'aime pas cette scène non plus. Elle va se faire tuer là-bas. Tais-toi. Reste derrière moi, on doit y aller. Bonsoir à ceux qui débarquent. J'aime pas cette scène-là. C'est pas parce qu'elle est détestable. On a qu'à monter. Il y a sûrement les sorties. Continue d'avancer. Je crois qu'on chope le fusil un petit peu après aussi. Ah oui, non mais les graphismes, ça change de ouf, hein. c'est un jeu différent, bien sûr. C'est pas du tout le même jeu. Vous, ouvrez la porte. Putain. Vous, avec moi. Bien, chef. Bon, bah... Voilà. Désolé. En même temps, elle avait qu'à avoir une meilleure intelligence artificielle. Voilà. Hein ? On rappellera qu'au début de l'épisode 2, elle a failli nous faire tuer. Mais bon, on l'aimait bien quand même. Merci, Naba, pour ton sub. On l'aimait quand même. Déjà, c'est con, mais elle aurait eu un col roulé. Exactement. Bah ouais ! Qui se balade en t-shirt comme ça à cette époque. Voilà. Ah, il a le fusil. Ça retenait les dents, hein. Tu vois. Ouais, ouais. Exactement, c'est ce que je disais dans mon épisode 1. Respect au studio d'avoir ajouté des gros points d'accessibilité. Absolument. Je l'exprimais dès le début de l'épisode 1 et clairement, c'est une très bonne chose. Parce qu'ils n'ont pas seulement pensé à la manette PS5, ils ont aussi pensé aux personnes en situation de handicap. Et beaucoup de gens pourront le faire maintenant. Je m'en occupe. Et c'est très chouette. Merde, je voulais avoir les 3, je l'ai raté. Reste accroupi. Attends. Déployez-vous! Par là! Écoute, mec. Oui. Va pas faire de conneries. Quand même. J'ai hésité. Ok, viens, Ellie. Voilà. Bon. On aurait pu aussi la jouer discret. C'est pas faux.
C'est pas totalement faux. T'éloigne pas, allez. Mais bon. Voilà, il y a un moment, la discrétion, ça va 5 minutes. Tu vois ? Comme ça, on peut farfouiller dans les bureaux, on peut chercher tranquillement, s'il y a des petites choses qui restent, voilà, tout ça. Tu vois ? Hop là, les pilules, ça lui servira plus, de toute manière. On en a combien ? 15, pas assez. C'est pas assez, il n'y a pas un autre drogué dans les environs hein, qui peut nous donner ces petites pilules. Tiens, ça, je récupère, merci. Ah, c'est une tuerie. Oh, Marc qui reçoit pour son 21e mois en niveau 2, merci beaucoup. Et Emily, du 67, qui reçoit pour son 14e mois aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Merci Emily, merci beaucoup, merci Marc, Joël, deux fois, parce que c'est un niveau 2 aussi. Merci à tous les deux, okay. Merci du fond du cœur. On va traverser cette salle. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Reste baissé, je sais pas combien ils sont. Non mais Splinter Cell, ça se joue pas pareil. C'est pas pareil, c'est différent. Tu joues pas à The Last of Us comme tu joues à Splinter Cell. Évidemment, Bernard. Sonore, pas de cible. Tenez vos positions. Lumos. Pardon. Ça fonctionne toujours. Ah, le coup d'Harry Potter, hein, toujours. Dis donc, ça sent le cochon grillé par ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. C'est quand même très étrange. J'aurais juré qu'ils étaient en vie hier. Allez hop, ça dégage. J'ai que dalle. Rien non plus. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste pas grand chose. Va voir là-bas. C'est bon, je suis derrière le canapé. Personne ne m'a vu. Je suis discret. Je ne suis que discrétion. Il est où ? Tiens, Bernard. Voilà la sortie. Chut, tais-toi, Ellie. Je la vois. Toi ? Aucun contact. Tiens, hop là. En voilà un contact. Hop là, pousse indien. Fais dodo. Ah, mais ils sont encore deux. Je regarde de ce côté. Jette un œil de ce côté. Vous êtes deux, les gars. Je ne suis pas là. Je ne suis que discrétion. Hop là, fais dodo. Tu vois que je sais aussi jouer en discrétion. Hop là. Il est tout seul lui, le dernier, non ? Ah, c'était le dernier ? Ah mais non, regarde, il est là. Bernard ! Où es-tu ? Qui est là, je te tiens ? Tiens ! Voilà, tu diras bonjour à ta mère sans tes dents. Tout va bien. Voilà. Hop là. Et c'était un par. On peut-être faire un petit... Non, c'est bon. C'était un par. Hop là, on récupère ça. C'est parfait. Voilà. Du coup, il faut qu'on rejoigne les égouts, là-bas. Ellie, dépêche-toi. On nous attend. Tu n'abordes plus le jeu de la même façon quand tu le fais pour la 4e fois, du coup. Merci Kaylin, merci beaucoup. Oh, qui a pris un abonnement de niveau 1 pour 3 mois. Mais merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Et du coup, merci encore une fois du fond du cœur, parce que 3 mois d'avance, c'est ouf. Merci du fond du cœur. C'est 4. Merci beaucoup. C'est super gentil. C'est énorme pour la chaîne. Ça aide la chaîne de ouf. Bah, ça aide la chaîne à vivre un peu plus longtemps. Donc merci beaucoup à toi. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Excuse-moi, Ellie. Il y a un soldat là-bas. Reste en position. L'ennemi n'est pas loin. Il va respirer avec ce truc. Tu vois, je te mentais pas. Ah, il faut que tu le fasses, petit KOS, qu'il a jamais fait ce jeu. Merci encore, Kaylin. Tu les as vus ? Non, y'a rien ici.
J'ai plus de... Ma gueule. Ils sont passés par là. Bon, t'es adorable. Merci beaucoup. T'es vraiment adorable. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Voilà. Allez, fais dodo maintenant. Oh, il a pété. Oh, il a pété vite. Ta gueule. Ça t'apprendra à me tirer dessus. Ça fait mal cette balle. Oh, le jeu est tellement joli, la vache. Ah non, mais c'est impressionnant quand même. Je crois qu'il y avait un truc dans celui-là, non? Je crois qu'il y avait un truc par là. Pas sûr. Bonsoir à ceux qui débarquent, bienvenue dans ce let's play tout en finesse et en délicatesse. Et en amour, et en partage. Que d'amour et de partage. Regarde, regarde ça, regarde. Et du coup quand tu passes dedans, regarde, ça bouge. Tu vois? Ah, j'ai vu une lumière là-bas. J'ai vu une lumière. Ah oui, c'est vrai que l'autre elle sait pas nager. C'est vrai. Elle nous emmerde un peu. Bon, attends, je vais aller chercher un truc. Je sais. Deux secondes, je regarde s'il n'y a pas des trucs à choper. Bah, ça a peut-être temps d'apprendre. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. C'est le bon moment. Un petit cours de natation. Bim bam boum. Ça y est, on prend deux poumons. On prend deux poumons à des claqueurs. On en enfile un sur le bras droit, un sur le bras gauche. Hop là. Ça fait des brassards et en avant. Voilà. Ah, tranquille. Ce jeu. Allez. Salut petite tête. Ah oui, il est là-bas, ça. Je vais bien. Tiens. Encore un mec qui a eu des problèmes. Ça, c'est quelqu'un qui avait pas fait la vaisselle, regarde, c'est sûr. Elle marche. C'est sûr et certain. Tu vas pas me laisser ici, hein? Mais non. Je reviens. T'inquiète pas. J'ai juste cherché des trucs. Je reviens. Attends. C'était pas là? Ah, c'est là. Ici. Je sais où, pas? Bon, c'est pas le premier que j'aurais dû trouver, mais bon. On va dire que. Tiens-toi prête. Ah, voilà, c'est vrai que j'achète. Bon, ok, on est good. Hop là. Alors, revenons. Reprenons et revenons à nos tours. Donc. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. C'est un cul-de-sac. Il y a une échelle. On peut essayer ça. Allez hop! Tout le monde à bord! Embarquez, moussaillon! Oh, regarde-moi tous ces détritus là! Regarde ça! Les gens sont sales! Les gens sont sales! Les gens sont sales! On n'y pense pas pour un dimanche en famille, hein, cet endroit. Ouais. Je suis d'accord. C'est bon. Eh, les trucs restent sur la planche, hein. Regarde. Bon, allez, grimpe. Pardon.
Bon, désolé, j'ai fait un mouvement brusque. Attends, m'embroche pas avec ça, s'il te plaît. Merci. Je vais encore être vite un petit peu. Ah, j'ai hâte du passage de l'université aussi. Il est trop stylé ce passage. Je crois que c'est un de mes préférés d'ailleurs. Quel est votre passage préféré de The Last of Us, tiens d'ailleurs, à vous. Pour ceux qui l'ont fait. Moi je crois que c'est l'université en vrai. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Ouais, la fin aussi est assez somptueuse. Il y a une ville. Oula. Qu'est-ce que. Edouard ? Edouard ? Mais ta gueule ? Et pourquoi ? Mais ta gueule ? Il pourra sûrement nous trouver. Merci, Edouard. Nous emmerdes, celui-là. Ok. Ne traînons pas ici. Fais chier, ce Edouard, enfin. C'est qui, celui-là, encore ? Toujours en train de gueuler d'ailleurs. Incroyable. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Waouh. Waouh. Ouais. Rien, c'est juste que. Il y a un truc dans une bouche d'égout à droite. Au bout. Quoi, la forêt ? Par là. Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Je crois que c'est là. Non ? C'est pas là la bouche d'égout ? Pourquoi tu me ramènes pas à Marlène ? Ah, tiens. Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Des pilules et des seringues au milieu de la forêt. Écoute, on est où, au bout de Boulogne ou quoi ? De peine, mais ton amie n'avait pas une grande chance de s'en tirer. Elle est plus solide. Incroyable, son droit. Ouais. Peu importe. Bizarre, tout ça. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Oh, un lapin. Dommage que j'ai pas encore mon arc. C'est plus tard. Oh là là, moi, regarde ça. Ce jeu. Putain, regarde ça avec les... Regarde ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, je pourrais pas ouvrir là, mais on passera à gauche. C'est juste pour avoir le truc. Voilà. Eh merde. Tu veux le grimper ? Non, il y a un fil barbelé en haut. Faut qu'on trouve un moyen de contourner. Il y a une planche en là. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autre chose par là quand même. Eh merde. Non, pas par là non plus. Ah, Ghost of Tsushima, incroyable aussi, ouais. Ghost of Tsushima est incroyable. Ouais. C'est un oui. C'est un grand oui. J'ai beaucoup aimé l'explorer de fond en comble. Le Ghost of Tsushima. Mais là, regarde ça. C'est parti. Hop là, merci. Attends, on va faire. Voilà. C'est bon.
toi, Bill. Vous vous retrouvez où d'habitude? Hein? Ça dépend. T'es jamais venu ici? Ah oui, c'est le mec qui piège la ville. Je sais ici qu'il habite, mais... C'est vrai. Non, c'est personnellement, vrai. J'étais encore jamais venu. Et cette fumée, c'est je vrai. Crois que c'est lui? Il y a plutôt intérêt. C'est vrai. Bon, il y a pas mal de choses à récupérer dans la ville en plus. Pas mon souvenir. Beaucoup d'items dans plein d'endroits différents et surtout beaucoup d'utilisation du surin. Alors, à l'intérieur. N'approche pas. Oh. J'ai pas envie de m'emmerder. Je suis désolé, mais j'ai absolument pas envie de m'emmerder. Je suis désolé. Voilà. Hein? Bonne soirée barbecue, c'est bien. Oh, ça va. Tu peux pas aller voir ton pote là? Cours, cours, cours. Cours tant que ça brûle. Ah merde. Oh le relou. Bon. Ah, tout ça pour ça en plus. Hop là, merci. Quel kiff ce jeu, bordel. Quel kiff. Et bien, bonne soirée à ceux qui partent. Des bisous. Ah, j'aurais pu attirer les deux d'ailleurs, ça aurait été plus stylé. Par ici. J'ai envie de refaire le 2, ça y est. Ça y est, on refera le 2. Bon, je vous le dis, on refera le 2 aussi. Voilà. Tu te sens bien? C'est le sifflet. J'essaie d'apprendre à siffler. Je ne sais pas siffler. Le 2 est incroyable. Vous avez le let's play aussi du 2 qui est dispo sur la chaîne. Il est vraiment génial. Le 2 pour moi en termes de possibilités, de combat, de tout est vraiment fou. Bon, j'ai bien aimé le récit aussi. Un poil long sur la fin. Mais vraiment incroyable. Et j'ai bien aimé le propos du 2 aussi. Le propos du 2 est intéressant. Oh merde, c'est bloqué de l'autre côté. Allez, fais-moi monter. Ok. Non, c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir ce... Ok, on est good. Ok. Donne ton pied. Contente-toi d'ouvrir. Viens de plus. Ça marche. Attention. Ok. Ah, voyons. Ok. Tadam. Tadam. Bien joué. Merci. Merci. Y'a pas un truc de Luciole aussi, je crois pas. Ah, c'était ça. Hé, hey, regarde. Des nains. Ouais, c'est des nains. J'avais un bouquin avec plein de nains en dessin. Non. Je les ai toujours trouvés trop non, mignons. Non, hey, soyons un peu sérieux quand même. Par contre, j'aime pas les fées. Elles me filent les jetons. Ouais, d'accord. Confection rapide, pour moi, c'est l'essentiel. Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après? Eh ben, après on ira retrouver Tommy.
Marlène Dix, c'est ton frère ? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Ok. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. J'adore ces passages où tu fouilles juste la ville, tu sais. C'est vraiment un des trucs que j'avais kiffé dans le 1 et que j'ai adoré faire dans le 2 aussi. Tu fouilles tous les décors. T'as déjà joué à ça ? Et le passage dans le 2 où ils sont au musée là, avec la fusée. Apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Angel Knives qui... Genre vraiment incroyable. Elle te transperce l'estomac du poing et après elle t'arrache la tête. Le passage du 2 comme ça est fou. Aussi. Je me souvenais pas de cet endroit avec la voiture ici. Ah, t'as regardé. Évacuation. Allez, c'est parti. Attention. Donc, évacuer, on est reparti. Où ça ? Allez. À ton avis, la zone de quarantaine. Certains endroits ont eu un peu de temps pour se préparer avant que l'infection leur tombe dessus, mais c'était rare. Ça doit être dur de devoir tout abandonner derrière soi comme ça. C'est pas ça le plus dur. Hop là! Qu'est-ce que vous voulez? Héritage du 2! Héritage du 2! La vie! Comment craquer les coffres facilement? En très peu d'étapes. Quel plaisir! Ça, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé dans le 2. Ouais, c'est Bill qui a bricolé ça. Quelqu'un d'autre vit ici à parler ? D'après ce que je sais, il est seul. Attends, je sais plus où c'était avec son piège. C'est après, je crois. Le disquaire qui est là. Oh, regarde-moi ça. Merci. Ah, c'est triste quand même. Quoi ? Toute cette musique qui croupit ici. T'as j'avoue. Y a plus personne pour l'écouter. Je sais pas. C'est tellement dommage. Je sais pas si c'était là où il y avait son câble tendu, c'est là. Non, Dieu ! On est au début du jeu. Mais qu'est-ce que c'était ça ? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Dis, il est pas un peu parano ton pote ? Ah, t'imagines pas à quel point. Qui c'est ce type au juste ? En fait, il nous a aidé à introduire des trucs en ville, disant qu'il est capable de trouver n'importe quoi. Il y avait un succès pour ouvrir aussi toutes les portes au sur. Marche et ça ira. Je crois. Pas du tout, Théo, pas du tout. Parce que j'ai acheté une télé Sony et pas une télé Samsung. Donc non, je n'ai pas testé la télé Samsung avec. Avec le Game Pass dessus. J'étais très bien chez Sony, donc j'ai repris une Sony. Tu vois ce fil barbelé ? Reste en dessous, ok ? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche.
ça alors. Bill s'est tiré à l'arc. Faut croire que oui. Tiens, viens là. On peut se servir de ça pour passer. Je me souvenais pas qu'on trouvait un arc ici. Je suis assez doué pour le tir à l'arc. Je préfère pas du tout qu'on trouvait ici. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Je préfère pas. C'est amusant, je m'en souvenais pas d'ici. Ma compagne. La voie est libre, monte. J'arrive. Allez, viens, c'est bon. Hop là, merci. Hop là. Joël est pas dur dans le premier. Joël ne connaît pas encore Ellie. Et Joël n'a pas encore eu le transfert. Le transfert s'opère un peu plus tard dans l'aventure. Lors d'un événement assez particulier. Qu'on appelle le transfert beaucoup plus tard. Bah, graphiquement, il n'y a rien à dire. Tiens, regarde, attends, je monte un truc. Ah, ça rend moins bien là avec ce que j'avais fait comme option. Oh, la résistance haptique de la manette qui fait du bien. Oh, tu déconnes. Oh, la résistance de la gâchette, c'est ultra stylé. Ah ouais. Ah putain, vas-y, reste là. Ouais. C'est vraiment agréable. Bon, écoute. Bill, c'est plutôt le genre de gars instable, tu vois. Alors, une fois là-bas... Bien sûr, il y a le DLC avec. C'est un peu une définitive édition, un remake, celui-ci. Parce qu'il y a plein de choses également dans les menus. Des arts. Il y a un peu de mal avec les étrangers. Enfin, il y a plein Bill de choses, vraiment. Bill est un type bien, mais... Il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout. Vraiment. Oula, j'avais oublié ça. J'avais zappé ça. T'as entendu ? Ouais. Merde, tu vas y aller ? Je veux voir ce qu'on peut trouver. C'est sûr qu'on va y aller. Tu trouveras mon cadavre quand je serai mort d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe. La qualité de ce jeu, bordel. Oh merde! Salut! Bordel! Le truc m'a foutu la trouille de ma vie! Bon, pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. Tu crois qu'ils se sont retrouvés? Comment je pourrais le savoir? En tout cas, j'aimerais bien. Hop là, confection rapide au maximum. Nickel. On est bon là-dessus. Parfait. C'est ce que je voulais. Viens, fiche encore d'ici. Merde, regarde ça.
Je sais plus si... Ok, surtout ne t'approche pas. Ok. Attends, j'ai pas un truc à... C'est un truc à balancer, je veux pas m'emmerder. Pas gâcher une balle pour rien. Voilà. Oh, merde. Ces trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Pas m'emmerder. Bordel. Fais attention où tu marches. Ouais, tu vois ça? Yes, on le refait en entier, ouais. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Allez. T'éloigne pas. Putain, Bill! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore un des pièges à la con de Bill! Là, le frigo! J'ai l'impression qu'il fait contrepoids! Ok! Coupe la corde pour me faire descendre! J'ai hâte de le faire en 21e sur PC pour le tester aussi, ça va être chouette. Joël! Merde, ils sont là! Joël! Hop là, dégage. Salut. Ellie? Quand tu veux, Ellie. Tiens bon. Mais sinon, tu es avec ton flingue blanc. Merci, Ellie. Ça va? Très gentil. Ouais. Tu vas y arriver. Merci. T'en fais chier. Allez. Dépêche-toi. Putain, Ellie, approche. Laisse-la tranquille. Dégage. Ellie, se rapproche. Merde. Ouais, mais t'es relou aussi, meuf. T'es relou aussi, meuf. Il faut le dire, il faut le dire. Un peu chiante. J'y arrive pas. Mais dépêche-toi. Dépêche-toi. Putain, Ellie, il se rapproche. Lâche pas, fils de pute. Ça, j'ai pas eu dans la tête. Attends, recharge, recharge. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Voilà, merci. Voilà, merci. Ok, par
merde. Putain. De merde. Demi-tour. On fait demi-tour. Quelle direction? On va... Partez ce matin. Venez ici. Cours, Ellie. Dépêche. Les gars, derrière nous. Mais quoi? Ne traînez pas, on n'est pas en sécurité. Bill, ils arrivent par la porte. Merde. Allez, on y est presque, suivez-moi. Ok, c'est bon. Ils arrivent. Allez, ils arrivent. Vas-y. Let's go. Merde. C'était chaud. Merci d'avoir joué les héros. Ellie. Qu'est-ce que... Joël. Bill. Qu'est-ce que vous faites? Bill. Tourne-toi et mets-toi à genoux. Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux. Fais pas le malin. Ok, t'énerve pas. Les faits morts? Non. Les excroissances? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre tremblement. Arrête, sale petite garce. T'as fini? Si j'ai fini? Vous débarquez chez moi? Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire? Et c'est qui cette petite peste? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes. J'ai des dettes envers Joël. Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague. Joël veut une caisse. Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais? Hein? Bah ben oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Non, je vous emmerde. Vous m'avez attaché. Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Mais pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. Je vous conseille d'emporter. On se demandera pas pourquoi la ville est bourrée de pièges, hein, bien sûr. Tout de suite. Je te remercie. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Allez hop, je récupère tout ça. Ça m'intéresse. Il va y avoir un établi aussi. C'est un frappe. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, et le jeu est quand même magnifique. Pff, rien que ce passage là, tu le vois. Hein. Ah, j'ai mis normal pour faire cette plaque tranquille. Ouais, plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Parce qu'en fait, je me referais bien le 2 en difficile. Hey, Bobby Fischer, pas tous à l'échiquier, compris? Bobby qui? Rien, laisse tomber. T'as tout ce qu'il te faut? C'est bon.
Non, non, mais tout a été... c'est un vrai remake, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un vrai remake. Bien, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte, allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Et dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. Merci. Merci. Hop. On a à combien? 5. Oui, ok, c'est bon. Nope, celui-ci pas à plat, vente dans le 2. Quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? C'est une gamine? Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais au moins. Yes. Alors on va où, Bill? Mon autre planque. Plutôt un gendarme muré. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Bon? Tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je mets jamais les pieds. Chut. Il y en a un à l'intérieur. J'avais prévu de nettoyer. Voilà, c'est rien. Au fait, là, tu m'as pas répondu pour Tess. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. J'ai l'impression... Il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. Oh. Allez, on y va. Il y a eu des problèmes aussi. Pas payer son assurance, c'est sûr. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures? Qu'est-ce que je peux être con aussi? Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Qu'est-ce qui court dessus? Je suis pas du tout attentif. Pas du tout. Bah, je peux peut-être prendre le fusil aussi. Non, c'est pas bon. Voilà, merci. C'est déjà un peu mieux. Non, mais quel enfer. Bon. Je te jure. Faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive. Ouais, on en parle demain, Marc. Tu sais on ce qu'il attend. Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt ouais, et l'emmener jusqu'à la barrière. Encore. Ça va te prendre. Bill. Joël. Par là. Allez, on monte. Mais non, vous n'avez rien vu, il s'est rien passé. T'aurais pu choisir un autre endroit où cracher. Il s'est rien passé, il s'est rien passé. Ces trucs sont horribles, mais au moins ils sont prévisibles. C'est les gens normaux qui nous font les jetons. Il y a placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. On arrive bientôt à la fin de notre épisode 3. Petit en passant. Ça. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok,
J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Attendez. J'ai un nouveau joujou à te montrer. De toute façon, ça va être la fin de l'épisode, mais avant ça, on va chercher les petits trucs qu'il nous faut... Dommage de partir en laissant des trucs. Oh, regarde ça. Bon, du coup, par contre, au niveau de la caméra, je peux peut-être changer ce que j'avais mis. Genre, tu vois, je vais remettre comme ça et... Magnifique. Somptueux, rien à dire. Ce jeu. Je pense pas. Enfin si, mais tu vas payer un prorata après. Non, tu peux pas du coup. Non, tu peux pas. Non, dans ma tête, tu peux pas. Tu peux pas faire ce que tu veux. Non. Avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Waouh, par contre, la résistance que t'as sur la gâchette avec le fusil, vous voir tous les trucs, c'est pas la même que t'as quand t'as le flingue. Enfin, bref. La vache. Il y a quelques mois, en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le la camion a été pris d'assaut, et il a violent, fini par se crasher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout! Joël veut une caisse! Et si elle est bousillée? Non, allez, viens, on fait ça avant le début, avant la fin de cet épisode. Hein. Ça pourrait marcher. On va même terminer comme ça. Regarde-moi cette merveille. Moi, je peux rien faire parce que j'ai pas de truc. Ah oui, j'ai rien du tout en fait. Moi, j'ai rien du tout. Bon. Eh ben, écoutez, je regarde s'il n'y a pas d'autre chose à récupérer. Voilà.
Et c'est ce qui va clôturer notre épisode 3, soit dit en passant. Ouais, allez, fin de notre épisode 3 et on démarrera l'épisode 4.